Bonsoir. Bonsoir. On est à la Maison de la Poésie devant une salle vide, mais on sait que, non pas par la présence présentielle, mais par la présence virtuelle, on est nombreux, tous ensemble. On reçoit ce soir Sylvain Prudhomme. Bienvenue. Merci. On va parler de ce recueil, Les Orages, qui vient de paraître chez Gallimard dans la collection L'Arbalète. Sylvain, tu as déjà publié une dizaine de livres, parmi lesquels, au début, un roman, et puis aussi quelques reportages. Et puis, La Avedi Bailly en 2012, Les Grands en 2014, plus récemment, Par les routes, qui a obtenu le prix Femina en 2019. Avec les orages, ce que tu donnes à lire, c'est ce qui est écrit en page de titre, un recueil d'histoires. On va revenir sur ce vocable, ce choix de définition de genre. 13 histoires donc. Et ce qu'on va faire pour commencer, c'est t'écouter, nous en lire une, qui s'appelle La tombe. Ouais, bonsoir. Et donc c'est une nouvelle qui est vers les deux tiers du recueil, voilà, donc qui s'appelle La tombe. La dalle est toute simple, un rectangle de pierre blanche posé à même le sol, à l'opposé de la pompe et du clinquant des caveaux voisins. Elle porte son nom. Une tombe humble, discrète, tout à fait comme il la choisirait si on lui demandait son avis. Il en serait presque ravi. Mais il y a la date dessus. Pas seulement celle de sa naissance, celle de sa mort aussi. 1975-2055. On est le 4 juin 2015, le jour de ses 40 ans. Qu'est-ce qui lui a pris, justement ce matin-là, de couper par le Père Lachaise pour descendre à la librairie ? D'emprunter justement cette allée-là qu'il ne prend jamais, trop ensoleillée d'habitude, les tombes trop marbrées, trop neuves, trop fleuries. Il se penche pour regarder la dalle de plus près. Le nom et la date sont creusés délicatement dans la pierre, une saignée fine, élégante. Qui a pu lui jouer ce mauvais tour ? Il fait le compte. 2055, cela veut dire dans 40 ans. Ainsi pense-t-il, je serai pile à mi-chemin, je me trouverai en ce moment même à l'exact milieu de ma vie. Il va voir la police. Ne trouve pas grand-chose à répondre au commissaire qui l'interroge sur d'éventuelles menaces qu'il aurait reçues. Par-dessus tout, c'est le délai qui l'étonne. 40 ans pour un règlement de compte, ça fait long. Pendant 2 semaines, il attend le coup de fil par lequel le mauvais plaisant se dénoncera. Il sonde ses artères, ses veines, la pompe de son cœur et les terminaisons nerveuses aux extrémités de son corps, en songeant que peut-être c'est vrai. Tout cela, dans 40 ans exactement, cessera de répondre, s'éteindra, mourra, et nul ne pourra rien y faire. Et puis, il s'aperçoit qu'il vient de passer 2 semaines à ne rien faire. 2 semaines de perdu. Ce sont très exactement les mots qui lui viennent. Et à l'instant où cette pensée le traverse, il frémit. Songe que peut-être désormais il aura toujours cette angoisse, n'avoir pas tiré le meilleur de chaque heure vécue. Il se jure que non. Que cette découverte ne changera rien. Que ni A, la femme qui partage sa vie, ni ses enfants, ni aucun de ses amis ne devineront jamais la découverte qu'il a faite. La première année, il s'applique consciencieusement à ne rien modifier de ses habitudes. Il continue de repousser ses projets les plus chers au lendemain, refuse de céder à la bougeotte qui le gagne maintenant au travail, à l'impatience qui lui rend insuffisamment exaltant les dimanches en famille. La deuxième année, A est prise d'une violente envie de Japon. Elle lui propose d'y partir en vacances sans tarder. Il refuse. Ils ne sont jamais allés si loin, ne font de toute façon qu'un voyage par an, la Camargue ou les Côtes d'Armor, en alternance. Quelle mouche pique soudain A ? Est-ce qu'elle a deviné quelque chose ? Ils partent dans les Côtes d'Armor, bouffent de la routine comme jamais, lecture et sudoku le matin, plage l'après-midi, sudoku et lecture le soir. La troisième année, il s'avoue l'évidence que tout est changé maintenant et le sera à jamais. Il ne va plus se promener sans y penser, simplement parce que ses jambes le portent vers la forêt ou vers la mer.
Il ne joue plus avec ses enfants pour le simple plaisir du jeu avec eux. Il ne fait plus l'amour avec A simplement parce que tous deux en ont envie. Il fait tout cela poussé désormais par une voix qui lui répète « Profite, ne sais-tu pas que tout sera bientôt fini ?» Il n'est pas homme à se mentir longtemps. La quatrième année, il réunit ses proches, leur avoue tout, en homme qui abat ses cartes. A l'embrasse, lui dit qu'elle le retrouve. Y, son associé, allonge le visage, chamboulé et empathique. Il dit « Merde !» en lui tapant sur l'épaule. « Plus que 40 ans, merde !»« 36 !» corrige leur ami G, qui voit le bon côté des choses et le verre à moitié plein. « 36 ans à vivre, avec la certitude de ne pas casser ma pipe avant, je signe demain !» La cinquième année, G tombe malade et meurt. Avec Y et les autres, ils marchent tous ensemble de l'église au petit cimetière de village, où reposent tous les aïeux de G. De la promenade entre les tombes, il reçoit un choc. En lui se réveille furieuse l'urgence qu'il attachait pendant 4 ans de museler. La sixième année, il est infidèle. À la femme qu'il retrouve désormais chaque après-midi, au lieu d'aller à la librairie, il confie ce calcul que s'ils font l'amour tous les jours, et cela jusqu'à leur mort, ou en tout cas jusqu'à la sienne, dans 34 ans, ils l'auront fait approximativement 12 410 fois, ce qui lui semble un beau total. Insuffisant, évidemment, au regard de l'infini des possibles, mais tout de même pas si négligeable. La septième année, il se lasse d'être infidèle et revoit ses ambitions à la baisse. 2 000 ou 3 000 fois encore d'ici la fin de sa vie. Est-ce que ce ne sera pas déjà bien assez? Est-ce qu'il ne commence pas à savoir plutôt bien de quoi il retourne depuis le temps? La huitième année, il voyage. Un pays tous les 15 jours, il a décidé. Et dans l'année, en effet, il en voit 24. S'émerveille devant le lac Albert, brave le fleuve Casamance, manque finir dans la gueule d'un tigre du Bengale. La neuvième année, il déprime, s'auto-qualifie de pauvre type, d'esclave du quantitatif, de petit comptable sinistre de sa propre vie. La dixième année, il découvre dans un livre sur le bonheur des plantes la notion d'intensif. C'est une révélation. Jusque-là, il n'a cherché que du côté du nombre, manquant l'essentiel. La onzième année, il la passe à traquer partout l'intensif, à se demander à quel endroit de la vie peut bien sommeiller le maximum d'intensif. Il s'occupe intensément de ses enfants, aime intensément A, boit intensément des bières avec Y le soir aux terrasses des cafés. La douzième année, il lit cette phrase d'un écrivain japonais qui a la parole rare, mais avisée. Écrire, c'est descendre au second sous-sol. Il y voit la promesse d'une intensité maximale. La treizième année, il se met au travail, accumule des notes, remplit des carnets, esquisse les plans du livre à venir, le rêve oignon, puits de mine, cratère de volcan. La quatorzième année, il s'élance, tâtonne, goûte l'exaltation de l'avancée à l'aveugle, le bonheur chaque soir d'avoir accouché de pages imprévues. La quinzième année, il ralentit, vacille, sent que le chemin se dérobe. La seizième année, il entre dans le dur, tente de reprendre espoir en relisant la phrase de Claude Simon qu'il a toujours trouvée si belle. Aussi ne peut-il y avoir d'autre terme que l'épuisement du voyageur, explorant ce paysage inépuisable. Oui, mais si l'épuisement vient avant d'avoir rien rencontré? La dix-septième année, il jette l'éponge, déprime. La dix-huitième année, il convoque Y et lui fait cette déclaration solennelle que, contrairement à ce qu'il a cru, il n'est pas écrivain, mais quelque chose d'autre qui n'est pas moins précieux, qui l'est peut-être même plus, car désintéressé, gratuit. Nous sommes des lecteurs, Y. Au fond, toute notre vie, nous aurons fait cette chose magnifique, lire les autres, leur prêter notre souffle, notre intelligence, notre imagination. La 32e année, il est atteint d'une grave pneumonie, n'en réchappe que de justesse. Affaibli, alité, il a pour la première fois cette pensée que 8 ans encore à vivre, c'est beaucoup, qu'il s'en sent à peine capable. À compter de ce jour, les choses s'inversent. Il cesse de dénombrer les années écoulées, chiffre désormais celles qui lui restent à vivre. La septième année avant la fin, il pense « Ainsi donc, dans 7 ans, je mourrai ». Et une rapide multiplication lui permet d'arriver au total de 2556 journées à vivre encore, chiffre qui lui paraît à la fois maigre
et inespérément élevé au vu des forces qui lui restent. Et cependant, le temps file, et la fin de l'année vient, et déjà ne lui reste plus que 2191 jours à voir s'écouler. La sixième année avant la fin, il reprend des forces, mesure sa chance. 6 années à vivre. La prédiction ne lui est plus une menace, elle devient talisman, sauf-conduit. Pendant 6 ans, il peut tout oser. La quatrième année avant la fin, il remonte le Rhône à la nage, rallie Genève en bravant le courant et les réacteurs nucléaires de Tricastin et Saint-Alban. S'attire une notoriété certaine dans le petit monde du sport septuagénaire. La troisième année avant la fin, Y meurt, suivi de A, avec qui il a renoué sur le tard. Il voudrait l'accompagner dans la tombe, trouve cruel de ne pouvoir. Maudit le destin qui l'en empêche. L'avant-dernière année, il devient contemplatif, prend l'habitude de n'aller plus qu'à pied, de s'asseoir longtemps devant les choses et de les regarder comme pour leur dire adieu. Malgré ses 78 ans, son corps est vigoureux, il se sent jeune. La dernière année, il refuse de croire que la mort l'emportera bientôt, il se met à douter. Et s'il s'était trompé 40 ans plus tôt? Il retourne au Père-Lachaise, emprunte l'allée aux tombes marbrées et fleuries, cherche en vain la dalle. Non, pense-t-il. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas pu vivre ma vie entière sur un malentendu. Et sentant la panique le gagner, il court de plus en plus vite d'une tombe à l'autre. Et les gardiens se demandent qui peut bien être ce vieil homme de 80 ans qui galope à perdre souffle parmi les dalles de marbre et les caveaux moussus. C'est très simple, très doux. Quelque chose dans sa poitrine tressaille. Il a le temps de repenser à A et à Y, de songer qu'il n'a pas été, somme toute, trop malheureux. Ses enfants ne l'ont pas revu depuis longtemps, mais savent son goût des choses humbles. Ils lui choisissent une dalle blanche toute simple, trouvent un emplacement un peu dérobé, dans une allée qu'il aurait sans doute jugée, pense-t-il, un peu trop clinquante et fleurie. Mais les morts se bousculent maintenant et on fait ce qu'on peut. On le met en terre. On grave simplement son nom sur la pierre, suivi de ses dates de naissance et de mort. Et tout est bien. Merci Sylvain pour cette lecture de ce texte tout aussi beau que terrible, je trouve, assez habité par cette idée de mort et de fin qui pourrait nous être annoncée. On va peut-être en reparler, mais avant cela, je me demandais, en t'écoutant, si c'était quelque chose que tu pratiquais en écrivant, la lecture à voix haute. On t'a suivi ici depuis longtemps, entendu dans des exercices de lecture musicale, surtout sur scène. Mais la lecture pour toi, en tant qu'écrivain, dans ta pratique quotidienne, c'est quelque chose que tu fais? Ces textes-là, tu les as déjà lus à voix haute pour les entendre? Alors, je les lis pas. On n'a pas besoin forcément de les lire, de produire un son audible. Enfin, j'ai l'impression que je ne cesse jamais de me les lire mentalement. En fait, oui, cette dimension auditive, enfin cette écoute de la musique que ça fait, elle, je pense qu'elle est tout le temps là. C'est quelque chose d'intuitif. Mais c'est vrai que oui, quand je relis, je pense qu'on est beaucoup comme ça. Enfin, je me le lis à voix haute. Enfin, il y a une voix intérieure qui le fait sonner, le texte. Ça, c'est sûr. Oui. J'aimerais revenir sur la citation de l'écrivain japonais: descendre au second sous-sol. Écrire, c'est descendre au second sous-sol. Est-ce que tu peux un peu nous éclairer? Le narrateur la trouve très belle. J'imagine que Sylvain Prudhomme la trouve très belle aussi. Et je trouve qu'elle mérite d'être oui. Expliquée. Alors, c'est une citation de Murakami. C'est vrai qu'elle m'avait frappé cette phrase quand je l'avais lue. C'est tout simple, mais ça dit quelque chose, oui, d'un rapport à l'écriture qui est tourné vers une forme aussi d'exploration, de prise de risque. Je ne sais pas si descendre au second sous-sol, c'est forcément risqué, mais en tout cas, c'est des endroits où on va pas souvent. Donc aller dans des régions de soi
qu'on connaît mal ça profondément. Oui, pour moi, elle sert à ça, l'écriture. Elle sert à et puis, je me dis que tous nos sous-sols, ils sont à la fois tous singuliers, tous différents, et ils se ressemblent assez probablement. Enfin, je veux dire que je pense qu'il y a pas mal de chances que dans ce second sous-sol de chacun, il y ait des choses qui puissent parler aux autres aussi. Donc, je ne crois pas du tout que ce soit quelque chose qui nous coupe les autres, qui nous coupe des autres, que ce soit quelque chose qui nous isole ou qui soit solipsiste. Je pense que profondément, c'est là qu'on peut on peut dire des choses dans lesquelles les autres vont se reconnaître. Et en même temps, cette citation, elle est dans ce texte-là, qui est celui où le narrateur creuse sa propre tombe, finalement. Il creuse lui-même. Alors, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. Et c'est aussi dans le texte qui, probablement, de tout le recueil d'histoire, est le plus à distance. Enfin, à la fois, bien sûr que moi, quand j'ai écrit ça, j'étais pas loin d'avoir 40 ans. Donc, évidemment, ça parle de plein de choses qui me traversent. Heureusement, j'allais dire, parce que sinon il serait gratuit, il serait pas. Mais je veux dire, c'est il y a quelque chose comme ça d'un rythme un peu allègre, comme ça où on fait défiler les années, et donc on survole un peu par rapport à d'autres textes où j'essaie de m'arrêter sur un instant, sur un moment, une scène, une situation, et de faire un texte qui tout entier reste dans le présent de cette situation-là. Donc il est assez à distance, ce texte, mais je pense que, enfin, dans cette le second sous-sol, on n'y va pas du tout forcément en étant dans un jeu autobiographique. Enfin, ça, je pense que, enfin, voilà, il y a plein de, au contraire, il y a beaucoup d'écrans, beaucoup de la fiction, enfin beaucoup de masques qu'on peut prendre qui nous permettent d'y aller plus volontiers que si on y allait en passant le pacte avec le lecteur que c'est moi, j'y vais, là, je suis en train d'aller dans mon second sous-sol. Ça, j'ai jamais trop voulu ni osé faire ça. Enfin, je pense qu'on peut faire des textes magnifiques. Il y a plein de textes autobiographiques que j'admire infiniment. Mais je n'ai jamais osé faire ça encore, en tout cas. Enfin, je préfère procéder différemment, disons. On va en parler. Mais avant d'en venir à cette question... je voudrais qu'on s'arrête sur le terme d'histoire. Tu choisis, tu l'as dit, de faire un recueil d'histoires et non de nouvelles. Alors, il faut que tu nous expliques ça. Et voilà, est-ce que c'est une référence aux short stories anglo-saxonnes ou qu'est-ce que c'est histoire ici ? Alors, c'est vrai, on en a beaucoup parlé avec mon éditeur Thomas Simonet, et ensemble, on a décidé de ce mot-là qui... On était tout. En fait, il y a quelque chose, moi, dans le mot nouvelle qui me tient un peu à distance. Je sais pas. J'ai l'impression. J'adore lire des nouvelles, mais je. Il y a quelque chose toujours. En tout cas, dans l'idée qu'on s'en fait, qui met la nouvelle en fait du côté d'une sorte de maîtrise absolue. Enfin, quelque chose d'un art qui est poussé presque à son comble. Comme si, des fois on dit ça, faire une nouvelle c'est encore plus dur que faire un roman. Je ne sais pas du tout si c'est vrai, mais en tout cas avec l'idée que donc il faudrait ramasser le même art, mais le ramasser dans encore moins de pages, et pourtant malgré tout produire cet effet à la chute, je ne sais pas. Et moi ça c'est quelque chose qui m'attire assez peu dans les livres, dans la littérature, enfin la démonstration de maîtrise, la virtuosité, c'est vraiment, il y a assez peu de... Bien sûr que je peux parfois admirer ça et tout, mais c'est vraiment pas la direction qui me touche, qui m'intéresse. C'est pas du tout celle en fait qui guidait ces textes. Et donc je voulais pas qu'il y ait de méprise là-dessus. C'est pas des textes dans lesquels il y a énormément de chutes. Là, c'est peut-être un de ceux qui est le plus peut-être une nouvelle, celui que j'ai lu. Mais sinon, ça reste très ouvert. C'est comme des personnages qu'on passe un moment avec eux. On les comme presque là cinématographiquement, une caméra les regarde un peu et après les quitte en fait, et on a, ça reste suspendu, on sait qu'après ils vont continuer de vivre, on se demande. Alors c'est un bout d'histoire. Alors c'est des bouts d'histoire, mais je trouve que histoire, il y a quelque chose de très universel dans ce mot, de très simple, de très qui nous est donné comme ça depuis toujours, voilà. C'est à peine une forme, une histoire. Enfin c'est juste, on dit voilà, je vais vous raconter une histoire. C'est comme ça qu'on voit, même à table, on commence. Il m'est arrivé une histoire incroyable, et pour moi, c'est un peu ce geste-là, c'est d'essayer
de raconter le plus justement possible un moment, une situation et voilà. Et s'en aller, tout doucement. Et s'en aller, exactement. Et avec l'idée que ça laisse les... Oui, qu'après, on sente que les personnages continuent sur leur air, en fait, de courir sur leur air. Après, on se fait une idée de ce qui s'est joué pendant ce moment-là et en même temps, on n'a pas de vérité dernière de ce qui va leur arriver ensuite. On ne sait pas. Alors voilà. Et c'est pour ça que beaucoup de textes, beaucoup d'histoires sont au présent. Parce que comme ça, j'avais envie qu'on passe de l'une à l'autre, presque comme s'il y avait une simultanéité de tous ces aperçus comme ça. Et à propos des nouvelles, tu disais que tu en lisais. Dans ce texte qu'on a entendu, le narrateur dit à son ami Y qu'ils ont été des lecteurs. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel lecteur de nouvelles tu es ? Quelles nouvelles tu lis ? Quels sont peut-être les auteurs qui... Il y en a beaucoup. Alors, bien sûr, moi, j'adore... On est très nombreux à partager ce goût-là, mais donc les nouvelles de Carver, elles me marquent énormément par leur côté très ordinaire, leur côté peu spectaculaire en fait. Voilà, c'est au ras de la vie comme ça, ça me touche beaucoup. Par exemple, j'ai lu il y a que un ou deux ans, plein de gens connaissent, peut-être moi je connaissais pas, Lucia Berlin, Manuel femme de ménage. À l'usage des femmes de ménage. Voilà, il y a quelque chose là qui me touche très fort parce que c'est branché sur la vie à chaque instant. On sent qu'elle a ses enfants dont il faut qu'elle s'occupe. Il faut qu'elle gagne sa vie pour subvenir aux besoins de tout ce monde. Elle enchaîne les métiers qui sont des métiers souvent durs. Et on sent que l'écriture est prise comme ça dans le mouvement de la vie. Et il y a quelque chose comme ça d'un jaillissement qui moi me touche énormément parce que c'est au plus près de la vie, c'est dans l'énergie de la vie, et justement pas avec quelque chose de trop mis à distance, je sais pas comment dire. Moi je trouve que c'est une forme qui est la forme brève, elle nous permet justement quelque chose qui est de l'ordre de l'abandon, on peut essayer comme ça et être au plus près de la chose qui nous a un peu démangé dans l'envie et qu'on peut faire ça et tout de suite répondre à cette sollicitation et écrire le texte. Et donc elle, je sais pas, je me rappelle, il y a une nouvelle incroyable où elle est infirmière aux urgences et il y a son jockey, ça s'appelle Mon Jockey, et elle décrit un jour, il y a un jockey qui arrive, ça fait deux pages, et elle raconte qu'il vient de tomber et elle raconte qu'elle a absolument pas une pensée pour la question de sa survie ou pas, enfin en tout cas elle les met de côté dans le texte et elle décrit juste le fait qu'elle le déshabille, qu'elle est là et que son cou est d'une fragilité incroyable et qu'il est là le héros caracolant et qu'il est là comment dire, voilà, affaibli, sans défense, voilà, complètement, et ça se termine juste sur c'est un regard purement esthétique qu'elle porte sur lui, c'est très très tendre, très beau, et hop, ça passe et on continue. On ne sait pas ce qui arrivera à ce jockey. Je ne sais pas. Bon, moi j'adore les nouvelles de Tchekhov, bien sûr. Je trouve qu'il attrape des choses d'un sentiment de la vie comme ça en très peu de l'écrasement de la vie tout entière qui passe, ou alors de la joie très éphémère comme ça d'un moment. Moi je trouve ça bouleversant. Les nouvelles d'Alice Munro, où là c'est à chaque fois il y a un enjeu d'un fugitif, je sais pas, des femmes qui sont à des croisées, ça m'a beaucoup aussi marqué parce qu'elles sont toujours à des carrefours de leur vie. Voilà, je sais pas. C'est déjà pas mal. tu disais, avec cette forme brève, on peut s'autoriser à essayer. Dans ce recueil, il y a des textes qui ont été écrits pour des magazines, un journal ou une institution, des textes de commande, et d'autres dont je me demandais s'ils existaient depuis longtemps ou s'ils avaient pu être des essais, peut-être dans le cadre d'une fiction à venir, comme une note dans un carnet ou à développer, etc., et qui ont trouvé leur place dans ce recueil d'histoires a posteriori. Alors, il y avait quelques textes que j'avais... qui avaient été en quelque sorte les déclencheurs de l'envie de cette forme brève.
je ne sais pas, Awa Beauté, par exemple. Ou, qui était un texte de commande, Awa ouais, Beauté. Un texte que j'avais fait pour... Oui, voilà. En tout cas, complètement. Mais c'était une idée que j'avais, pour répondre à cette question. Effectivement, il y a toujours... on a des carnets avec dans lesquels on... Je ne sais pas, moi, je note des embryons, juste des idées de situation ou d'histoire. C'est trois fois rien, mais je me dis, ça, j'aimerais bien un jour l'écrire. Donc, à Awa Beauté, finalement, hop, ça, une occasion m'avait été donnée de d'écrire ce texte. Et j'avais vu qu'en fait, j'aimais ça, le fait de resserrer sur le moment décisif, en fait, de faire en quelque sorte le... Pouvoir faire l'ellipse de toute la mise en place et aussi pouvoir séjourner dans quelque chose où on sait qu'on n'est pas parti pour deux ans, enfin, et avec un projet où qu'on doit, je ne sais pas comment dire, un roman, on se pose sans cesse la question de sa pertinence, de qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie à ce moment-là. Là, on peut avoir un rapport, je pense, beaucoup plus fugace aux choses. Et on peut aussi aller voir dans des sous-sols, je pense, où on n'aurait pas forcément envie de rester deux ans. Enfin, je veux dire, des petites choses, parce qu'en fait, elles doivent pas donner lieu à un roman, je pense. Mais en passant, comme ça, on peut aller voir. Et donc, et peut-être que on est d'autant plus... Enfin, je sais pas comment dire, ça donne un résultat d'autant plus aigu que on s'est pas dit là, je vais faire... J'y passe deux ans, en fait. On va droit à l'endroit où qui nous importe, vraiment. Donc, ça nous... En fait, moi, j'avais vraiment un sentiment de... qui comptait beaucoup pour moi, ces textes, en fait, en les écrivant. Et donc, la plupart, je les ai écrits vraiment dans... entre les deux confinements. C'est un peu dans la perspective de les réunir en un recueil. Voilà, vraiment, en fait, vraiment, j'avais vu que cette question des instants décisifs me touchait, me convenait aussi dans ce que je cherchais dans l'écriture, parce qu'à chaque fois, ça veut dire qu'on va, à l'endroit de la faille, en fait, de la fêlure... de tout ce qu'elle révèle, de la crise, quoi, en quelque sorte. Et donc, je voyais que j'avais envie de faire ça. Et donc, j'ai eu la chance que... Enfin, voilà, je sais pas, j'en ai parlé un peu avec mon éditeur qui m'a dit, bah, essaie, on va voir si ça prend ou pas cette envie de recueil. Et après, les textes sont écrits vraiment comme ça, dans une sorte de bonheur d'écriture, vraiment. Pas forcément ceux que j'avais... Pas forcément ce que j'écris, c'est pas forcément ce dont je notais l'idée depuis longtemps dans mes carnets. Il y a plein d'idées qui finalement qui sont pas devenues des textes parce que toujours d'autres arrivaient en chemin et je me disais il faut écouter ça, il faut écouter. Moi j'y tiens pas mal à ça, essayer d'écouter ce qui se passe au présent de l'écriture, en fait, les idées qui nous viennent, les événements pendant qu'on écrit, en fait, et de dire là ça c'est ça. Tant pis, je devais faire celle-ci demain, me mettre à ce texte-là, à cette histoire-là. Et ben non, il y a ce soir j'ai envie d'écrire une nouvelle idée qui vient de me venir, et hop, je le fais. Sans savoir où elle va aller, sa chute, si chute il y a, même si ce n'est pas le terme adéquat, puisqu'on reste dans quelque chose plus qu'on chute. Et ben ça vient aussi parfois avec l'idée, on sait un peu comment ça va se refaire, mais enfin, on voit moi, je trouve que c'est assez proche de photographie, en fait. On voit tout d'un coup l'image, le moment, et on sent que ce moment-là veut dire beaucoup de l'avant et de l'après. On se dit, si jamais je raconte cette... voilà, comme si le temps se ramassait et se condensait là, avec beaucoup de passé dans ce présent-là et beaucoup d'avenir aussi. Donc, voilà, en fait, ça apparaît. C'est des situations souvent qui m'apparaissaient. Et donc, après, je ne savais pas quelle forme ça allait prendre, ni du tout combien de pages. Oui, c'est ça. Je m'interrogeais sur la longueur des textes. Certains sont très brefs. Il y en a un qui fait presque deux pages, d'autres plus développés. Et ça, pareil, pas d'idée au préalable ou... Honnêtement, pas tant que ça. C'est-à-dire, on voit bien que, là, par exemple, il y a un texte qui s'appelle La baignoire, qui est très bref et qui est... Voilà, moi j'ai décidé finalement de le garder, ce texte, de le mettre. Je me suis posé la question parce que il est tellement bref, tellement fugace. Tellement fugace, c'est juste que voilà, on voit un corps qui rentre dans de l'eau, dans une baignoire, et qui à la fin en ressort. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas, mais simplement il y a cette. Et moi je me suis dit non, je veux le mettre. C'était après justement une nouvelle longue. Après, je crois que c'est après Awa Beauté, cette histoire justement. Sauf erreur, non Et en tout cas, je me disais, c'est bien de... Il faut se reposer, ouais, un peu ça. Après ça. Et il faut se...
vraiment, je me suis dit, c'est comme se laver l'esprit. Enfin, voilà, il y a aussi quelque chose de... On plonge. Hein. On plonge, et avant de repartir sur autre chose, quelque chose comme ça, d'une rupture aussi dans le recueil. Parce que c'est vrai qu'on... Après, ça aussi, parfois, ça donne des idées. Le tout donne des idées pour les parties, parce qu'en fait, on se met à le composer un peu. On dit, là, j'ai envie d'une rupture aussi de couleur, de ton. À ce propos, justement, est-ce que le volume s'est organisé selon une scénographie? Elle est venue en le faisant? Elle a été composée, pensée? Comment s'est organisée vraiment la composition? Et moi, c'était la première fois que je me trouvais face à cette question. Et j'ai trouvé ça très, très, très stimulant. Je me disais que ça devait ressembler à ce que font les musiciens quand ils composent un album, en fait. C'est une situation que je ne connais pas, mais que je trouvais assez très, très... je ne sais pas, je trouvais qu'elle elle était très, très féconde comme situation, parce qu'en fait, on se dit, bon, au début, j'ai envie de... Il y a probablement la nouvelle qui est à l'ouverture. Je dis la nouvelle, parce que c'est la plus... Elle est longue. Mais donc, cette histoire-là, moi, c'est vrai que c'est une histoire qui m'est très proche, elle a une gravité plus grande que toutes les autres. Et donc, je me suis dit, celle-ci, c'est certain, elle doit être au début. Donc, il y a des choses comme c'est ça. C'est une histoire qui relate un enfant malade et le père dans la chambre qui veille son enfant pendant 15 jours à peu près. Voilà, un bébé qui est... Voilà, la peur de perdre un bébé, et l'instant où cette peur est, ça y est, s'évanouit parce que l'enfant est sauvé. Et donc il y a des choses comme ça qui s'imposent. Et après, je sais pas, mais c'est des choses même de par exemple de tonalité, après deux ou trois qui dont je voyais bien qu'elles étaient quand même très très qu'elles parlaient beaucoup de la mort, du temps qui passait, tout. On a envie de quelque chose qui rit un peu, j'avais envie de Légèreté. Voilà, de légèreté. Et donc, il y a certains textes que j'ai écrits vraiment pour casser ça. Il y a plusieurs textes qui racontent des sortes de miracles, des moments où la vie comme ça fait des surprises et où là, c'est plutôt du côté d'une sorte de lumière, de choses qui tout d'un coup, sans qu'on l'explique, une providence au sens là. Je parle même pas forcément au sens religieux, mais une providence au sens où quelque chose arrive et devant nous comme ça et nous surprend. Et donc je me disais, bon, je peux pas mettre les miracles tous. de miracles. Voilà, je veux. Enfin voilà, donc il y avait c'est tout ça qui fait que, mais des choses vraiment rythmiques en fait, des choses rythmiques, des choses de couleurs. Donc il y a eu plusieurs essais. Finalement. Elle s'écrivait presque avec la pensée de leur place, de la place où elle serait. Ça n'a pas tant bougé que ça, en fait. Il y a la toute dernière, je l'ai écrite à la toute fin. Et j'avais l'impression que ça se terminait avec une nouvelle qui s'appelait... avec une histoire qui s'appelait Fellini. Je venais de l'écrire, elle était vraiment toute... Mais j'y tenais beaucoup à cette histoire. Ça fait trois fois que je parle des échanges avec Thomas Simonet, mon éditeur. Mais c'est vrai que ça compte particulièrement dans ce genre d'équilibre, en fait, d'un recueil. Et en fait, elle est arrivée à la fin et on s'est dit, mais elle est à la fin, elle va clore le recueil, cette histoire. Voilà. Moi, je regardais en tant que lectrice et je me suis dit, tiens, justement, quelle est la combinaison, comment tout cela a été organisé. Et c'est vrai que bon, il y a des est-ce qu'on peut parler de thèmes, en tout cas des sujets, des choses qui reviennent. Alors les souvenirs, le couple confronté à une épreuve, peut-être aussi. L'amour, la manière dont il peut être très fugitif, fugace et s'installer dans la durée. Il y a des histoires d'hôpital, de mémoire, du temps qui passe, beaucoup. Et alors tout ça, ça vient dans la première partie du recueil. Et puis il y a la baignoire, dont on a dit quelques mots, très centrale, vraiment au cœur du volume. Deux pages, on s'immerge et hop, on recommence avec le couple, un moment de légèreté, l'hôpital, la mort, la mémoire qui,
qui flanche, enfin, les personnages qui reviennent, A qui revient, on les retrouve. Et puis, justement, c'est des lieux aussi qui reviennent, l'appartement. Donc voilà, il y a comme des piliers avec... moi, je vois vraiment une première partie, tous ces thèmes sont traversés, la baignoire, une deuxième partie encore, et puis Fellini et la nuit, qui sont un peu à part. Et ça tombe juste, hein, ça fait 5, la baignoire au milieu, et puis 2 à la fin. C'est bon ? Oui, je voyais que la baignoire était un peu était au centre. Moi, je me disais aussi qu'il y avait quelque chose un peu comme ça de la... On commence quand même avec un bébé. Il y avait quelque chose de la vie aussi, un peu de la naissance. Après, évidemment, moi, la tombe, je me disais, voilà, ça comme elle est un peu... Elle est plutôt... En fait, finalement, elle est plutôt légère aussi, cette histoire. Elle est pas... Enfin, ça s'appelle la tombe, et ça parle de ça, mais je veux dire, quand même, elle est pas... elle est moins grave que d'autres, la mort frôle de davantage pour de vrai, en fait, dans un côté vécu. Donc je m'étais dit, voilà, la tombe sera à la fin, et puis finalement il y a la nuit qui est comme une sorte de mouvement à nouveau vers la vie, en fait. Donc ça, je sais pas, je voyais bien qu'il y avait quelque chose comme ça. J'avais l'impression aussi qu'au milieu on passait par des textes plus peut-être presque plus brutaux, avec quelque chose de plus dur quand même, de plus, je dis brutaux, c'est le mot. Auquel tu penses ? Non, mais par exemple, un texte comme Lille, où on voit un couple qui un soir ne se retrouve pas, en fait, voilà. Alors qu'il se retrouve précisément après un moment d'absence. Voilà, et voilà, je me disais, voilà, on peut-être qu'on commence aussi à il y a comme un retour de personnage et là on peut aussi s'aventurer plus avant dans le difficile aussi de la enfin, de toute façon c'est quand même le sujet du livre tout entier, ces moments d'adversité, en fait, et comment est-ce qu'on... Oui, je pense qu'on pourrait peut-être à ce moment-là de notre conversation parler du titre de Les Orages. Qui vient dire une crise, en effet, une instabilité atmosphérique, et puis il y a de l'orage dans l'air, enfin, cette chose-là qu'on sent, qui nous enveloppe, une perturbation. Est-ce que toi, tu peux nous dire ce que tu mettais dans ce titre, pourquoi tu l'as choisi ? Je cherchais quelque chose qui avait à voir avec la lumière, beaucoup, et donc, parce que pour moi, c'était vraiment dans tous les textes, pratiquement, il y avait quelque chose de météorologique, en fait, comme si toutes ces révélations, tous ces moments, tous ces moments suspendus se passaient toujours dans une certaine lumière, dans une certaine qualité de lumière. Donc, si j'avais mis lumière dans le titre, ça l'explicitait trop. Il y avait quelque chose de très qui était probablement, enfin, je sais pas comment dire, ça annonçait trop. Et les orages, j'ai pensé un moment à ce mot parce que ça, je sais pas, ça passe tout simplement. C'est à la fois quand on est au cœur de l'orage, on a l'impression que cet orage-là est plus terrible que tous les orages du monde. Et avec après coup, l'orage s'en va. Et c'est en même temps, ces orages, c'est jamais que quelque chose de très ordinaire. Un orage, il y a eu des millions d'orages pour une foule d'autres gens avant. Et voilà, je sais pas comment dire. C'est à la fois la tempête et quelque chose de très ordinaire qui passe aussi. Mais on n'est pas non plus au cœur de la tempête dans ces textes. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose. Peut-être ça tient aussi à une mise à distance par la voix, la narration, quelque chose de calme, d'apaisé, presque de mûr. J'emprunte ce mot parce que le narrateur dans une des nouvelles dit oui, j'ai mûri. Enfin, je suis un bon fruit bien mûr. Et donc c'est vrai que les orages, c'est un très beau titre et je trouve que très éclairant. Si je peux me permettre de filer la métaphore de la lumière, ce que tu en dis, mais en effet, c'est pas vraiment la tempête. C'est souvent après la tempête que tu prends la description. Oui, c'est des... Ou alors c'est des orages... Ou avant, enfin...
l'avant, ou parfois on s'arrête juste à... où l'orage passe tout près, et finalement, ouais, je pense à une histoire qui s'appelle Le Tai-He, où, on, oui. où on, voit le, on voit un vieil homme qui perd un peu la tête, et qui se retrouve, qui veut absolument faire allumer le Tai-He, et qui se retrouve avec le Tai-He dans les mains, et qui ne sait plus tout d'un coup ce qu'il doit en faire, et on se demande ce qui va se passer, il tournoie un peu en l'air, le Tai-He, et on se demande comment... Et l'orage ne fait qu'approcher, enfin, en quelque sorte. Mais j'avais effectivement, ce qui m'intéressait, c'était toutes les fois où il n'est pas loin, ou alors où l'orage est infime, en fait, où il est... Parce que y a, voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'est tous ces bouleversements qui sont assez intérieurs et que les autres, peut-être, du dehors, ne voient pas. Les moments où tout d'un coup, un souvenir revient et pour nous veut dire beaucoup. Et puis, c'est... Pour le raconter aux autres, il faudrait, c'est tout un continent. Explorer en fait, les sous-sols. Voilà, donc c'est ces moments-là en fait qui parfois sont très ténus. Et aussi, c'est vrai que c'est des orages plutôt ténus à quelques. Oui, c'est bon. Oui, moi, c'est vrai que c'est ça qui m'a. Oui, c'est ça souvent que j'essaie de raconter. C'est le grondement est sourd. Il est lointain. On peut peut-être parler de. Pour illustrer un peu ce propos du choix de la couverture, on va encore parler de ton éditeur Thomas Simonet. C'est vrai que les couvertures de l'Arbalète, qui sont souvent des photographies, sont on s'est choisi avec soin, réfléchi, et peut-être tu peux nous la décrire et nous dire ce qui a conduit à ce choix, ce qu'elle dit. C'est un diptyque, une femme. Lumière assez blanche. Ouais, voilà, il y a cette lumière assez blanche. Donc c'est un diptyque d'une artiste italienne qui s'appelle Paola De Pietri et qui fait toujours ça, qui fait des diptyques. La plupart sont en milieu urbain. Et il y avait cette photo. Je suis tombé dessus dans un livre sur le paysage. Je cherchais plutôt des choses, pas forcément. On regardait des photos qui n'étaient pas forcément avec des personnages. On savait pas très bien. Et je m'étais dit voilà, je voulais quelque chose où il y ait du ciel, où il y ait de la Et cette dimension météorologique un peu... De l'horizon. Oui, de l'horizon et de ce qui se passe dans le ciel. J'avais pas envie d'un grand ciel. J'avais envie d'un... Je sais pas comment dire. De quelque chose de... Mais plein de lumières. J'aime les ces lumières blanches là qui sont... On sait pas trop... on sait pas bien ce qui va en être. Et là, tout d'un coup, je sais pas, on est tombé sur cette image où elle relève un peu la tête. Elle a l'air de... On sait pas bien. Elle passe au loin. Et il y a le côté aussi, en fait... Comme c'est un diptyque, il y a le côté comme ça instantané, deux instantanés successifs qui nous semblaient quand même pas mal faire écho à la forme brève en fait. Et puis même au-delà de cette forme brève, à ce que je cherchais moi en fait dans cette forme brève, c'est-à-dire le d'essayer d'arrêter des moments comme ça, de les. De, bah, c'est ça s'arrête et en même temps, de fait par le diptyque, rehaussée par l'image en elle-même, elle est en train de marcher et elle fait un pas. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement, oui. Qui est suspendu aussi un peu, oui. Mm-hmm. J'aimerais qu'on parle de Fellini. Je disais tout à l'heure que ça vient à la presque fin du recueil. C'est l'avant-dernière histoire. Et c'est précisément l'histoire d'un type qui regarde un film à propos d'un type qui n'arrive pas à faire un film. Et à la fin, le film existe et le type qui le regardait se met à reprendre l'écriture de son roman. Là, tu es en train de t'amuser. Cet homme, il regarde le personnage, il regarde le 8,5 de Fellini, moi, que j'avais jamais vu en fait. Et tout le monde me disait souvent, mais t'as toujours pas vu ça. Et donc je l'ai regardé dans un moment où j'étais précisément en train de travailler à ce recueil. Constamment, enfin, j'étais en plein travail et c'était vraiment pour me faire une sorte de pause entre deux histoires et ça m'a ça m'a bouleversé parce qu'aussi effectivement ça raconte plein de gens ont vu 8,5 hein, mais pour raconter pour ceux qui l'ont pas vu c'est on voit Fellini le héros là c'est Mastroianni qui est complètement perdu dans sa vie en plein, je crois que c'est lui qui a un moment cette expression, en plein marécage de la vie, et donc avec ce film qu'il n'arrive pas à faire, et on sent très bien que c'est un,
C'est un double de Fellini qui montre en tout cas son héros, il a quelque chose de très pitoyable presque, tellement on le voit déchoir, on le voit dans sa faiblesse profonde en fait, et à la fin il est sauvé, et le film qu'il essaie de faire depuis le début en se débrouillant avec des choses qu'il prend dans sa vie qu'il arrange un peu, et ben à la fin le film de Fellini est magnifique, et donc il y a quelque chose comme ça du retournement de toutes nos faiblesses en force, en beau en quelque sorte, parce que le film c'est un film désespéré et qui pourtant déborde de vie. Voilà, alors c'est ce que dit effectivement le personnage, mais évidemment c'est ce que je me suis dit en le voyant. Et non, mais il y avait quelque chose dans le geste d'aller comme ça, d'utiliser un écran pour parler de choses en fait de qui sont souvent des choses vécues. De la création aussi. De la création, de tout ça, que je trouvais vraiment dans ce film-là réussi extraordinairement. Et donc la façon dont ça se relève à la fin, comme ça, dans une sorte de fête avec la fanfare qui arrive et tout est pardonné, il y a quelque chose de la rédemption à la fin qui me... Voilà. Je ne sais pas, qui était comme symboliquement profondément ce qui m'émeut, je crois, dans l'écriture, dans les livres qui me touchent. C'est aussi ceux qui ont une sorte... C'est une forme de... Moi, je trouve que c'est une forme de plongeon, d'audace, un truc aussi que je trouve un peu généreux, d'essayer en fait, d'oser y aller, tant pis, y compris dans un premier degré, avec aussi, je ne sais pas comment dire, on peut tomber, mais c'est aussi comme ça qu'on peut avoir que peut-être ça va faire quelque chose de beau. Et donc voilà, effectivement, ce film raconte ça de sans cesse beaucoup mieux que je ne le dis, et du coup à la fin effectivement le personnage se remet aussitôt à travailler en se disant plus que jamais je vais au second sous-sol, je continue et il le dit pas comme ça, mais c'est vrai que moi aussitôt après avoir vu ce film je me suis mis à écrire cette histoire qui s'appelle donc Fellini tout simplement. Voilà. Mais au-delà de la mise en abîme, j'y vois aussi une manière de parler ce que sont tous ces textes, parce qu'il y a des textes qui sont, je dirais, des bouts de fiction, on a dit ça, l'histoire c'est un bout d'histoire, un bout de fiction, alors Awa Beauté, La Tombe peut-être, irait dans cela, et il y en a d'autres qui sont sans aucun doute traversés par des éléments de réel, des choses qui peut-être te sont arrivés de près, de loin. Tu en parlais tout à l'heure à propos de la première nouvelle. C'est pas tant la question de la véracité qui m'intéresse là, mais plutôt celle du rapport entre le réel et l'écriture. Comment l'écriture permet de transformer, peut-être de transgresser, peut-être de tricher. Enfin, qu'est-ce que tu dirais de cela? Oui, tout ça à la fois, tous ces mots-là, je les trouve justes. Oui, en fait, on raconte une histoire. Donc, on bien sûr qu'on est chacun des personnages, et qu'en même temps, on n'est aucun. Donc, il y a une liberté infinie. Enfin, tout d'un coup, on peut aller voir vraiment, en fait, et essayer de parler de choses dont dans la vie on peut pas parler, je sais pas comment dire en fait, émotions, oui, des émotions, des tout simplement parce que peut-être il y a le flux de la vie qui nous tire vers l'avant déjà aussitôt après, le courant de la vie avec ce que ça donne d'élan, mais là on peut suspendre tout d'un coup ce courant et je lisais tout à l'heure la phrase, j'étais devant la rue Quincampoix, et je lisais les citations qui étaient là, et il y avait celle de Péros. Alors je vais la citer de mémoire, mais que sans la littérature, on ne saurait pas ce à quoi pense un homme quand il est vraiment seul. Et je la trouvais très juste, très belle. C'est, voilà, tout d'un coup, là, on peut, et en plus, on est un peu Mastroianni, on est quelqu'un qui regarde Mastroianni,
Je ne sais pas, il y a une histoire où un homme quitte l'appartement dans lequel il a vécu toujours. Et ben moi, c'est bien sûr que je pensais très fort à l'appartement, mais j'ai jamais quitté cet appartement. Et c'était une sorte de, je ne sais pas, de situation de pensée. De projection. De projection, comme ça. Tout d'un coup, je m'imaginais, c'était vrai au moment où je l'écrivais. J'étais en train de fermer à tout jamais la porte de cet appartement et de repartir dans la rue. Et de faire défiler les souvenirs, voilà, les imprégnations. Voilà, il y a ce rapport-là de ouais, c'est un vrai moi je pense que c'est la vérité absolue. Typiquement cette histoire qui est totalement, qui n'est, de fait, j'ai cet appartement, j'y vis toujours et tout. Mais voilà, pour moi ça m'intéresse là, ce rapport là dans lequel on est dans l'écriture, en fait, où on peut croire absolument à ce qu'on écrit. Il y a Marcel Cohen, un auteur que personnellement j'aime bien, il dit tout est vrai parce que c'est écrit. Magnifique, voilà. Et il y a dans l'emploi des pronoms personnels, enfin, il y a vraiment une mise à distance. D'ailleurs, si tant est que ce soit des éléments de réel, c'est toujours plutôt une histoire racontée. Il y a quand même une nouvelle au jeu, c'est Balzac. C'est la seule. Hein. Oui, ça aussi, c'est pour des raisons même de contraste, d'envie d'essayer. En fait, ça décide d'énormément de choses, même le pronom par lequel on entre dans un texte. Je pense que plus ça nous est proche, moi en tout cas, c'est un réflexe, plus ça nous est proche, plus je mets la troisième personne. Mais bien sûr que ça pose en fait un rapport à ce qu'on raconte qui tout de suite est fondamental. Ça nous fait partir sur une certaine note, en fait. Est-ce que tu t'autorises plus de creuser dans peut-être quelque chose qui est de l'ordre de l'intime quand c'est un il ou un elle, enfin une autre voix que la tienne? Moi j'ai l'impression, en tout cas, que bon, pour le moment, en tout cas, quand j'écris je, déjà c'est sûr que c'est pas foutu. C'est sûr que c'est pas, mais c'est pas grave, mais j'aime le faire. Par les routes était écrit tout entier à la première personne, mais ça m'intéresse profondément le trouble que ça jette la première personne, parce que tout de suite on se demande quel est le statut de cette voix qu'on entend. Est-ce que c'est qui parle? Est-ce que c'est le narrateur? Est-ce que c'est l'auteur? Enfin, moi, ça m'intéresse qu'on sache pas que ça m'intéresse tous ces vacillements, en fait. Mais il est certain que si je veux raconter quelque chose de très, ouais, de qui m'est très proche, je pense que j'utilise d'emblée, je pense, la troisième personne. J'en sais rien. Enfin, je crois. J'ai envie de lire moi un petit passage, la toute fin de Fellini, et de dire pourquoi j'ai choisi ce passage. C'est la toute fin. Le lendemain, l'homme se lève et se remet sans attendre au roman qu'il essaie d'écrire. Son métier est d'écrire des romans. Il ne sait jamais très bien à quoi il veut que son roman ressemble. Il ne sait jamais très bien non plus ce qu'il veut dire ou taire de sa vie. Comme tous les jours, il se remet à mêler le vécu, le rêvé, le fantasmé, l'absolument imaginaire qui paraît vrai et l'absolument vrai qui paraît imaginaire. Où veut-il en venir? Il est bien le dernier à le savoir. C'est encore et toujours le même travail de taupe. Encore et toujours le même forage de galeries à l'aveugle, la même percée de tunnels et de cheminées qui mèneront, on verra bien où. Les mêmes jeux de choses trappes, de faux-semblants, de géminations, de masques. Les mêmes éternels arrangements avec le même sac de secrets inavouables. Seulement maintenant, la voix de la femme est là. Il entend lui souffler doucement les mots de la veille. Caresse-toi, Guido. C'est accusateur, c'est ironique, mais il ne peut s'empêcher d'y entendre aussi quelque chose de tendre, de bienveillant, comme un encouragement à continuer. Caresse-toi, Guido. La femme l'a dit, il faut le faire. La femme, pour ce qu'il a pu en juger dans le film, c'est assez exactement ce qu'elle dit. Je trouve que dans cette dernière page, il y a en effet, il est écrit tout ce qu'on vient un petit peu de se raconter, tout ce que tu viens de nous dire. Mais ce qui est très beau, c'est que ça finit sur cette voix de femme, qui est la femme est là et elle sait ce qu'elle dit. Et pour clore notre conversation, je voudrais qu'on
qu'on t'entende lire la dernière nouvelle, La nuit comme un envol, qui est précisément la voix d'une femme. Voilà, donc elle commence par... Au début, il y a une toute petite didascalie qui dit qu'elle s'est assise contre le mur pour raconter. Voilà. Et moi, je lis simplement sa voix. La voiture descend dans l'odeur des pins. J'entends les graviers qui crissent sous les pneus. J'aperçois l'eau qui scintille à travers les aiguilles des pins en contrebas. J'entrevois la maison suspendue au-dessus de la mer. Et pour la première fois depuis des mois, je sens que je respire mieux. Qu'enfin commence à dégeler le bloc de tristesse qui, depuis l'accident, m'écrase, m'anéantit, me vide. J'ai réservé presque par hasard, au dernier moment, une annonce qui venait d'être mise en ligne et que, par chance, j'ai vue à temps. Maintenant, la propriétaire nous conduit jusqu'à la chambre. Et tout ce que j'avais vu sur les photos est vrai. Je regarde la vue, je regarde la mer devant moi qui s'étend à l'infini, le soleil qui rebondit sur l'eau. Je pense que toute la journée, je vais pouvoir être là, devant cette mer, dans cette lumière. Je devine la joie que je vais éprouver là. Je fais plus que la deviner, je la sens déjà, qui me soulève, qui m'emplit, qui revient. J'en suis bouleversé. Il y avait si longtemps qu'elle n'était plus là. Il me semblait si impossible qu'elle revienne jamais. Pendant toutes les journées qui suivent, je suis heureuse. Heureuse comme je ne pensais plus pouvoir l'être. Il n'y a qu'un lit double dans la chambre. Et au début, la propriétaire s'inquiète de nous voir arriver tous les quatre. Elle dit « C'est petit, vous savez. Vous êtes sûr que ça ira ?» Nous montons un lit de camp, tirons jusque dans la chambre un des transats de la terrasse. Et tous les quatre, nous nous serrons là, dans la même pièce. Les jours et les nuits passent, et je constate qu'à aucun moment je ne me sens à l'étroit. Au contraire, je voudrais que toujours la vie ressemble à ça, que toujours les nuits et les journées se passent dans cet entassement des corps, cette promiscuité, la masse chaude de mes enfants contre moi, la masse de mon homme endormi là, tout proche, pas collé contre moi, mes proches. Le matin, j'ouvre les yeux, et le plus souvent, le soleil est déjà haut. La chaleur entre dans la chambre par les baies restées ouvertes. Je regarde mes enfants et leur père qui continuent de dormir. Je regarde leur visage écrasé contre l'oreiller, leur bonheur jusque dans ce sommeil lourd, plein. Je sais notre chance. J'ai la claire conscience qu'il ne nous sera pas souvent donné de vivre une paix comme celle-là. Je m'assois sur la terrasse. Et chaque matin, la mer est là. C'est la même féerie. Elle n'a pas bougé, elle est restée pendant la nuit. Et je retrouve son bleu immense. Je peux recommencer de m'en éblouir les yeux. Je peux rester jusqu'au soir si je veux dans la lumière de son étendue, de son calme, à m'émerveiller que chaque matin la magie recommence, qu'à jamais tout ce bleu me soit offert avec ce soleil dessus. Pendant toutes ces journées, je lis. Inépuisablement devant la mer, je lis. Je dors. Je me serre contre mes enfants qui, eux aussi, dorment, contre mon homme avec lequel parfois je reste faire la sieste pendant que les enfants sur la plage en contrebas jouent. Je le sens qui a cessé lui aussi de compter, cessé de vouloir. Il ne cherche plus à remplir le temps. Lui aussi simplement s'y allonge, s'y étend, s'y affale, comme tous les quatre nous nous affalons le soir dans nos lits. Ce sont des vacances où j'oublie, des vacances où je nage. Où après quelques heures à lire, invariablement je descends plongé dans le bleu. Les carreaux de la terrasse ont chauffé au soleil pendant que j'étais assise, et à présent ils me brûlent doucement la plante des pieds. En 30 secondes, je suis en bas, et les rochers aussi sont chauds, je sens leurs arêtes sous mes pieds. Je soigne mes appuis pour m'approcher de l'eau sans glisser. Je vois par transparence les rochers bruns et verts, les dalles hérissées d'oursins, les bandes de sable clair, les à-pic sombres. Quand je remonte, j'ai les jambes et les bras qui tremblent un peu de fatigue. J'ai joué à me faire peur, je me sens vivante. J'attrape le tuyau d'arrosage resté au soleil et je me rince à l'eau brûlante. Je remonte et j'attrape sur l'étagère une tomate dans laquelle je mords. Le jus acide éclate dans ma bouche. Les enfants sont rassurés que je sois de nouveau là. Ils disent « On t'a vu, maman, tu étais tout là-bas, très loin. On ne te voyait presque plus. » Je les embrasse. Je me rassois en finissant de manger ma tomate. Ma bouche est pleine de sel, le sel de la mer. Le sel de ce bleu immense qui me comble depuis que je suis là. Je reprends mon livre. Je m'amuse que mes doigts mouillés fassent un peu gondoler les pages. Je lis mieux qu'avant la baignade,
Mon esprit s'est raffermi. Je traverse chaque phrase en la fendant net. Je lis vite, je lis clair. De toutes ces vacances, je n'ai presque que des souvenirs de chaleur, de soleil aveuglant, d'eau transpercée par les rayons de l'après-midi. Parfois seulement, le soir, passé minuit, les enfants couchés, je tire une chaise tout près de la rambarde et je m'assieds dans l'obscurité. Dans mon souvenir, nous sommes seuls dans la baie. Nulle part alentour, il n'y a d'autre habitation. Pas de restaurant, pas de cabanon, pas même de bateau au large, pas de lumière, pas de bruit. Le noir, les rochers qui s'enfoncent dans l'eau noire. La mer devenue cette masse sombre énorme, mouvante, que j'entends continuer de battre doucement en contrebas dans la nuit. La mer qui toute la journée a semblé tellement sûre, tellement accueillante, et qui maintenant est tellement noire. Et puis, le dernier soir arrive. Cela fait 10 jours déjà que je repousse le départ. Le père de mes garçons a dû s'en aller reprendre le travail. Le temps tire en longueur, je suis resté seul avec mes fils un soir de plus, puis un autre, puis encore un autre. Maintenant, c'est vraiment la fin. Il est 2 heures du matin, le départ est prévu à 6. Les garçons dorment. J'ai fini de faire les valises, tout est prêt. À l'aube, il n'y aura plus qu'à monter en voiture et à nous en aller. Je reviens m'asseoir une dernière fois sur la terrasse. Je regarde le noir de la mer et du ciel. Je me rappelle l'état dans lequel je suis. La gratitude que j'éprouve vis-à-vis de ce lieu. La calme certitude de ce que je lui dois. Là, je suis revenu à la ville. Là, j'ai retrouvé la joie. Là, non seulement j'ai été heureuse, mais j'ai su dès la première seconde que j'allais l'être. Tous mes sens immédiatement me l'ont dit. J'ai retrouvé non seulement ma joie, mais ma faculté d'en deviner le retour. J'ai vu que je pouvais toujours me fier à mes sens, que c'était toujours là, que je savais, qu'il n'y avait qu'à m'écouter. Toute la soirée, le temps est resté couvert. Il fait un noir inhabituel, un noir plus total encore que d'habitude. Il n'y a pas une étoile, pas un rayon de lune, le ciel est bouché, sans plus un souffle d'air. Tout là-bas, au large, des éclairs zèbrent le ciel, allument sur la mer des lueurs oranges, presque rouges. Il n'y a plus un bruit, plus un souffle. Je pense que peut-être je ne reviendrai plus jamais là, que c'est la dernière fois, que même si je reviens, ce ne sera plus jamais pareil. Alors d'un coup, je veux descendre. Je veux dire au revoir à cette baie qui m'a rendu à la vie. Je vérifie que les garçons dorment, que leurs corps sont bien enfoncés dans le matelas, pèsent bien dessus de tout leur poids de corps d'enfant endormi. Et je descends habillé comme je suis, sans chaussures, sans maillot de bain, sans serviette. J'arrive en bas. Je regarde l'eau silencieuse, étale, lisse comme je ne l'ai jamais vue. J'enlève mes vêtements un à un, je les dépose sur le sable près de moi. Je suis nu. Je pense aux femmes que j'ai vues offrir des libations à l'océan dans ce pays où j'ai vécu il y a des années. Je pense aux flots de l'écaillé que j'ai regardé blanchir le flux et le reflux des vagues, se dissoudre lentement en laissant de grandes traînées blanches dans les rouleaux, à chaque seconde plus étirées, plus torsadées. J'entre dans l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille. Je regarde l'immensité du ciel au-dessus de moi, sans la moindre étoile, sans le moindre rayon de lune. J'avance. Le liquide noir m'enveloppe. Je nage sans plus rien voir. Je suis seul au milieu de la mer immense et sombre. Je ne vois plus mes mains, plus mon corps. Il y a 3 mois, j'ai failli mourir de perdre tout mon sang. J'ai senti la vie qui s'en allait de moi, qui m'abandonnait, s'enfuyait de moi, laissait mon corps à sec. Et voici que je renais. Voici que l'eau noire m'inonde à nouveau. Voici que de toutes parts, les flots me reprennent. Que je refais partie du monde. Que je baigne de nouveau dans le sang que j'ai failli perdre. Le sang de la vie que je devais donner et qui, cette nuit-là, a failli me tuer. Alors une étincelle surgit au bout de mes doigts. Une étincelle. Puis une autre encore. Mon cœur bat très fort. Je suis heureuse, je tremble. J'ai peur d'avoir mal vu, mais non, ça recommence. Maintenant, ce sont des gerbes de paillettes qui, à chaque poussée dans l'eau, me filent entre les doigts, habillent mes jambes de lumière. Je voudrais crier tant je suis émue, me pulvériser en millions d'atomes pour mieux m'unir à la mer, mieux la remercier,
Le sang me bat aux tempes et dans tout le corps. Là-haut, mes enfants dorment et ne savent rien. Je voudrais dire à tout le monde le miracle et je suis seul. La mère et moi seuls savons. Folle qui croyait que l'existence ne me surprendrait plus. J'ai peur et je suis heureuse. Je suis là où je veux être. Je nage dans l'eau qui m'a ramenée à la vie. Je me sens chamane, unie à la mer toute puissante par une nuit sans lune. Merci Sylvain. L'instant d'après, c'est le silence, c'est l'envol. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt.